Il paraît que l'amour triomphe toujours. En juillet 2020, Tatiana Laurence et Xavier Delarue annonçaient leur divorce après plus de 14 ans de mariage. Après plus d'une décennie sans une ombre au tableau, les deux anciens candidats de la saison 5 de Secret Story avaient pris la décision de prendre des chemins séparés et leur rupture avait été à l'image de leur relation, calme et respectueuse. Par ces quelques mots, je vous annonce la fin d'une magnifique histoire d'amour, de complicité, de combat, de peine et de joie. Le 15 juillet dernier, nous avons signé l'arrêt et fin de 14 ans de mariage et 17 ans de vie commune par le biais d'un divorce à l'amiable, avait déclaré Xavier Delarue. Nous continuerons à être là l'un pour l'autre, merci du bonheur et du soutien que vous nous avez apporté, précisait-il. Durant cette année de séparation, la jolie blonde de 39 ans a continué de mener son combat contre les violences conjugales et a même reçu de beaux encouragements de la part de la ministre Marlène Schiappa. De son côté, Xavier a dû faire face à une terrible épreuve, la mort de son papa, des suites du Covid-19. Un retour de flamme affiché sur Instagram et contre toute attente, un an après leur rupture. Les deux anciens amants semblent avoir décidé de se donner une seconde chance. Ce mardi 13 juillet 2021, tous deux ont partagé des photos où ils apparaissent en plein câlin au bord de l'eau. Le cœur n'oublie jamais le lieu où il a quitté son meilleur battement, écrit Tatiana Laurence en légende de la photo. Et puis un jour, on s'est dit, à quant à lui marqué Xavier, un brin plus mystérieux. En commentaire, ils n'ont d'ailleurs pas manqué de répondre à leurs publications respectives avec un émoji en forme de cœur. Ce qui ne laisse plus de place au doute quant à un retour de flamme. Aliénor de la Fontaine à lire aussi Adblock Test. Why?